Salut tout le monde, c'est Namsi, aujourd'hui on se trouve sur Naruto RPG. Donc voilà, le jeu est juste là, ma caméra est juste un tout petit peu en bas parce que vous puissiez voir en fait les trucs en haut quoi, tout simplement. Et donc ça c'est un jeu, comme vous pouvez le deviner, un jeu de Naruto tout simplement. Et voilà, c'est ça qui est ça. Et donc si vous aimez Naruto, bah vous aurez aimé ce jeu. Ouais, bon voilà, bon en gros on peut avoir beaucoup de niveaux dans le jeu. Là je suis niveau 548 dans le jeu, comme vous pouvez le voir. Au début on est niveau 1, mais c'est plutôt facile de grimper de niveau parce que à chaque fois qu'on donne des coups en fait, plus le gars qu'on attaque est puissant, plus ça nous donne de l'XP en fait. Du coup ça c'est vraiment stylé. En gros là je suis niveau 548 et j'ai juste à trouver un gars niveau 10 000. Je pense pas qu'il y a de gars niveau 10 000 de toute façon. Mais bon, en gros si je trouve un gars niveau 10 000, bah j'aurai 10 levels par coup en fait. Carrément. C'est incroyable. Mais bon, de toute façon, il n'y a pas de gars niveau 10 000. Je pense que le maximum dans le jeu, c'est niveau 1000 ou 2000. Un truc comme ça. Pour les mobs aussi, je pense que c'est 1000 ou 2000. Mais bon, voilà, c'est ça qui est ça. Et donc là, on est sur un arbre. Comme vous pouvez le voir, ouais. On est sur un arbre. On est vraiment sur un arbre ici. Donc, je sais pas si vous entendez le jeu. Ouais, vous entendez le jeu, hein, d'accord. D'accord, let's go. Donc là, en fait, on peut équiper plusieurs hérédités, comme vous pouvez le voir. Si vous connaissez Naruto, enfin, si vous avez terminé de regarder et tout. Donc, en gros, vous devez connaître le Madara Mangekyou, Momoshiki Rinnegan, Sasuke Rinnegan. Et tout, en gros c'est des pupilles, c'est des hérédités en fait que ont des gens dans des clans en fait spéciaux, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et donc là le meilleur que j'ai, je pense que c'est Madara et Sasuke, parce qu'en fait comme on peut le voir, on va chez Madara et là il y a marqué niveau 999 pour l'attaque finale, et Sasuke Rinnegan 999. Voilà. Donc Momoshiki, comme on peut le voir, lui c'est 960. Du coup Momoshiki il est un tout petit peu moins puissant. Voilà, c'est qui ça. Là les gars, on peut aussi les équiper en fait en constant pioncé. Par exemple là j'ai déséquipé celui de Momoshiki. Ok, là on va regarder en haut à gauche. Normalement si je me transforme, je devrais avoir plus de vie, plus de chakra. Ouais d'accord, ok, il y a un bug juste avant, ok. Parce qu'en fait normalement dès qu'on équipe les hérédités, je viens juste de découvrir au passage, ça augmente notre vie et notre chakra. Et après ça dépend aussi de l'hérédité en personne. Voilà quoi. En gros, si on a une hérédité encore plus rare, ça va nous augmenter encore plus, tout simplement. Momoshiki, il est plutôt rare, mais pas légendaire non plus, je dirais. Madara Mangekyou et Sasuke Rinnegan, je pense que eux, ils sont légendaires par contre. Parce que, ouais, 999 à la fin, c'est un peu chaud. On va pas se mentir. Du coup, là, on va déséquiper celui-là. Donc, on peut voir qu'il nous augmente la vie de 158 et le chakra de 163. Voilà. Donc, là, on va équiper. Alors, celui de Madara, je veux pas équiper celui de Sasuke parce que pour débloquer la première attaque, il me faut être niveau 560 avec le Rinnegan de Sasuke. Bon. Donc, si vous connaissez pas Naruto, c'est normal. Hein, si vous vous sentez un peu perdu, vous inquiétez pas. En gros, là, pour débloquer la flamme noire de Sasuke, je dois être niveau 560, je vois. Ah ouais. Mais Madara, si je me trompe pas, il faut être genre niveau 300 ou 400, carrément. Ouais, je pense que Sasuke en fait il est encore plus rare que les autres. Voilà. Donc Universal Black Flame Pull. D'accord. Très intéressant. Ouais, bah, du coup, on avait vu combien ça nous augmentait l'autre. Là, on va équiper celui de Madara. Let's go. On se transforme. Et Madara, il nous augmente la vie et le chakra de 168. Déjà, là, il y a un petit problème parce que le petit bouclier, ça sonnait. Il ne suit pas, tu vois. C'est un peu chelou. Donc là j'ai une attaque de Madara, comme vous pouvez le voir. Déjà on va tester une des attaques sur Toiseau Hawk. Je connais pas du tout. Je connais pas de Naruto. Let's go. Il est niveau 700. Ah ouais d'accord. Du coup il est niveau 700. Moi je suis niveau 548. Et let's go, on va l'attaquer. Ah ouais, mais il a autant de vie. Mais sérieux. Et il ne se rend pas beaucoup d'XP hein. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée de l'attaquer lui. Pas sûr hein. Donc les gars, vous savez quoi, là on va juste l'attaquer avec notre attaque spéciale de Madara. Let's go. On appuie sur R. Et ouais, voilà. On peut pas trop bien voir, mais en gros, c'est un Sasuke qui était apparu. Donc, j'aimerais aussi voir si je le tue Hawk, ça me donne combien d'argent. Voilà. Parce que ça nous donne aussi de l'argent, en fait, quand on tue des gens dans ce jeu. Il est très, très cruel. Ouais, bon, les gars, vous savez quoi? Là, on va pas équiper... Si, on va équiper Madara, vu que j'ai pas l'impression qu'il attaque, ce mob-là. Non, non, il attaque pas. Hein. Oh, il fait quelques dégâts. Après, je peux aussi me faire Kagebochi no Jutsu. Voilà, en gros, je peux me cloner. Ah, mais il nous attaque, si. Je sais pas si où. Wesh, t'es sérieux, toi? Il m'a attaqué, il est parti. Eh, maintenant, il nous attaque, mais sérieux. C'est incroyable, ça. What? Mais non, il me fait plein de dégâts. Mais non, je peux plus bouger. Ah, mais il est trop fort, en fait. Wow, il m'a déglingué pour le coup. Même les autres mobs en fait qui sont niveau 1000, ils me font pas autant de dégâts. Par exemple, on va aller chez le Père Noël et on va voir que lui il est niveau 1500 et il donne beaucoup d'XP. Et sinon, on... il nous attaque pas autant quoi. Enfin, il nous fait pas autant de dégâts.
Ah mais du coup en fait j'ai l'impression qu'il y a un bug. Là j'ai 103 de vie alors que normalement je suis censé avoir plus de vie hein. Voilà. Vous savez qu'on va l'attaquer avec ça. Ah non j'ai désactivé du coup je peux pas l'attaquer avec ça. Arrête Père Noël. Arrête de m'attaquer. Oui parce que en fait il y a Père Noël en fait dans Naruto. Ouais, c'est incroyable. Mais moi j'avais pas qu'il existait dans Naruto du moins. Et ouais hein. C'est ça qui est ça. Donc vous savez quoi, on va équiper celui de Mochiki parce que lui il a une spécialité spéciale. Ouais il a une spécialité spéciale, même si 2020. Ok let's go, lui on va l'équiper, let's go. Et il a une petite hache. Je sais pas ce qu'elle fait sa hache par contre, mais bon, voilà. C'est ça qui est ça. Et donc là, quand on appuie sur T et on clique, on reste appuyé. En gros, ça absorbe ses attaques, sa magie en fait. Voilà, ses attaques magiques. Par exemple là, si je dois faire une pause pour faire une attaque magique, par exemple là maintenant, j'aurais dû le faire. Comme ça, j'aurais stoppé son attaque. Sauf que non, je stoppe pas. Non, arrête, ça fait mal. Aïe. Vous savez quoi, là, on va aussi améliorer nos stats parce qu'on peut le faire, ouais. J'sais pas trop quoi améliorer, qu'est-ce qui est le mieux. Ouais, bon, on va améliorer ninjutsu, nous, let's go. Non, on va mettre dans ninjutsu ou taijutsu, je sais pas trop. On va mettre dans ninjutsu, let's go. Plutôt nos points de ninjutsu. En vrai, les ninjutsu, c'est les techniques des ninjas. Genre katon, boule de feu extrême et tout, voilà. Bon, ça va prendre 10 ans, hein. C'est incroyable. Ah vous savez quoi, mon ami l'auto-cliqueur est avec moi. Totalement oublié. Voilà c'est bon, on a équipé plein de trucs dans ninjutsu comme vous pouvez le voir. Ah je pense qu'avec ça en fait on peut avoir plusieurs ninjutsu, plusieurs techniques qui est tout là pour moi. Voilà. Ah B ça veut dire quoi ça B? Ah pardon, là je suis rank D rank 1. D'accord, je suis D rank 1. Du coup je pense que je peux que prendre les trucs de D et les trucs avec les cadenas quoi. Ok, et ces deux là en fait je les ai déjà. D'accord. Ah mais c'est flamme dragon en fait que j'ai, c'est pas Katon boule de feu extrême. D'accord, en gros moi c'est la flamme du dragon. Katon la flamme du dragon. Ah il est ici Phoenix Fireball. D'accord, voilà c'est Lightning Strike. Ah ça a l'air intéressant ça. Ça a l'air intéressant. Du coup let's go, on va le débloquer. Du coup ça nous a consommé 180 de ninjutsu. Tout ce que je veux d'accumuler en fait. Donc F, G. Ouais ouais, on va équiper danger parce que j'ai rien danger. Bon. Donc Père Noël, viens. J'ai envie de tester quelque chose sur toi. Je teste des expériences sur le Père Noël. Ça tourne mal. Let's go, on va. Oui. Ah d'accord, l'attaque est ultra stylée mais j'ai pas l'impression que ça a fait grand chose. Pas l'impression quoi. Ah, je pense qu'il devait bouger en fait déjà pour que ça lui fasse des dégâts. Ok, allez, on va lui faire Katon, flamme du dragon. Ah, il est en train de brûler. Ah, c'est bon, il ne brûle plus. En fait, le parrain, il ne brûle plus comme par magie, c'est incroyable. Mais bon, les gars, là, je vais absorber une de ses attaques là et il va moins faire son malin. Je suis carrément en train d'absorber le Père Noël en fait. Ah, j'augmente plus de niveau en fait parce que je pense que j'ai atteint le maximum. Du coup là je dois faire rebirth un truc comme ça non. En gros ça sert à rien de combattre le Père Noël. Mais là en gros je dois faire un rebirth quelque part. Je ne sais pas où, je vais aller chercher ça. Let's go. Et comme ça je pense que le rank en fait il augmente. Ok les gars let's go. Là on va aller faire notre petit rebirth. J'ai aussi vu qu'il fallait avoir 1 million de Ryo. En gros le Ryo c'est la monnaie du jeu. Et ouais. Je vais farmer ça. Et là c'est bon, on a 1 023 999. Ça fait plaisir. Donc normalement il y a le Hokage là en bas si je ne me trompe pas. Ouais ok let's go. On y rentre et on parle au Hokage. Let's go. Donc résistant en code. Ah, attends, je pense qu'il y a un truc là que j'ai pas vu. 550 et 5. Ah, c'est 500 000 Ryo en fait. D'accord. En gros, il faut être niveau 550. Ouais, ça je sais. Et 500 000 Ryo. D'accord. C'était 500 000. Ah, bah d'accord. Ah, bah cool alors. Tant mieux, j'ai envie de dire. Et résistant en code. Yes. Max level and recurrent money. Ouais, je les ai. Ranking setbacks, level points, ninjutsu and taijutsu. Ok. En gros, quand on fait le rebirth, bah c'est logique. On va perdre notre niveau. Les points aussi. Ah, d'accord. Les points aussi. De ninjutsu et taijutsu. Aussi. Ouais, yes. Ranking gives access to certain modes, subjutsu et ninjutsu. Ok, en gros, on rank up, ça nous donne d'accès plus de trucs, quoi. Voilà. Du coup, interact, est-ce que tu veux être ranked? Bah ouais, let's go. Et du coup, je suis des rank 2. D'accord. D'accord. Du coup, pour être ce rank, je pense que, ouais, ça va aller jusqu'à des rank 3 et après, je pense que ça sera ce rank. Voilà, encore un tout petit peu plus, c'est possible. Allez, on va déséquiper Madara parce que ouais, y a un petit bug. Du coup, let's go. Là, on a besoin de 10 XP en fait. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah, il y a aussi Naruto. Ah, mais attendez, il y a Naruto.
Attends, et si j'attaque, il doit me donner beaucoup. Attendez, on va vérifier ça. Plus de Momoshiki, ouais, parce que je pense que ce sera important là de topper ces Kagewachi no Jutsu. Et c'est. Ah non, c'est pas lui qui fait katana. Laisse tomber. Waouh! J'ai fait une rafale. Je suis niveau 5. D'accord, oh, bah c'est super. Hein. J'ai donné 5 coups de poing, je suis niveau 5. Je suis en train de level up comme ça tranquille. C'est incroyable ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce BG level up. Je suis en train de gagner plein de points. Tranquille. Regardez-moi ce petit BG avec une hache. Il a fait son Rasengan. Ok, bon, on va faire attention. Donc par contre les KG level et tout là on les garde, d'accord. Bah c'est nice. Par contre il nous a déglingué avec un Rasengan je pense là. On absorbe son attaque. Ah non ça a pas marché. Je vais pas faire ça comme ça. Ah non, rip. Ok, là j'ai remarqué j'ai level up HP. Ouais, j'ai plus d'HP en fait. Et ouais, bon voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes s'il vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Voilà. Et dans ce cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.